Bon les gars, on part sur un Paris-Marseille. Là je passe à Lyon, je vais acheter des carénages. Une carénage dont j'ai besoin. Et voilà, on est bon. Mercedes W Motec m'a fourni. Quadlock, pareil. Quadlock est d'ailleurs mon nouveau partenaire. En tout cas, un grand merci à W Motec qui m'a équipé au niveau des sacs et tout. Au niveau de la bagagerie. Ça permet d'être bien. Donc là, on est début août. Hein. Comme je dévoile la moto le 1er septembre, vous la verrez en retard celle-là. La bécane m'a fait pas mal de problèmes. En tout cas, un grand merci à BMW Boulogne, CO2 Moto. C'est les meilleurs, le meilleur BM que j'ai jamais vu. Les mecs, ils sont à l'écoute, une équipe vraiment top, top, top. Mais quand je vous dis top, c'est vraiment top. Ils m'ont toujours réglé les trucs, les choses de A à Z. Ils ont fait passer la garantie directe, vraiment tac, tac. Donc j'espère vraiment qu'elle va pas me causer de soucis dans le sud. Parce que sinon, moi, je pète un câble, je la vends et ça dégage. En tout cas, il n'y a pas de raison. Là. J'espère. On est reparti comme avec le Jack. Le Jack, il a 135 000 bornes, il m'a jamais causé de soucis. Hein. Le S1000 RR, il m'a déjà causé deux soucis. Merci à Aloi.fr, il m'a créé un setup incroyable dans le casque. J'entends vraiment tout. J'ai testé à 200 km/h déjà, sur route fermée bien évidemment. Et à 200 km/h, j'entendais la musique comme si j'étais à 0 km/h en fait. C'est un truc de ouf. Je vais enlever la chicane. Il y a la chicane là. Yes, of course. Ouais, parce que derrière il y avait un truc. On les a croisés, il y a une cinquantaine de bords. Ok. Sur une aire. Là, tu fais gaffe, là, on attend. Ok, vas-y, vas-y. Et après, tu peux cogner dans l'angle. Vas-y, les refs. Vas-y. Plaisir. Prochaine. Et Google ou quoi, lui? Il faut bien, je suis à l'arrêt. Ah, on se met où? Au hasard, genre. On est à Lyon, j'ai déchicané. J'en pouvais plus. Du coup, on a monté les carénages. J'ai acheté les carénages, on les a montés. Voilà. Du coup, là, direction Marseille à partir de Lyon. Normalement, je suis censé arriver depuis tout à l'heure. Mais au final, j'ai monté les carénages et tout, tu vois, regarde, celui-là, il est clean. Mais Jack, si j'en ai testé. On est revenu avec les S1000. C'est qu'à la fin. Regarde. J'ai évité, de toute façon j'allais à la gauche. Ouais, j'ai vu, bonne journée. Il a évité l'autre. Allez, Rayou. Ça m'a fait une dinguerie. Je pouvais aller sur la voie d'en face vu qu'il y avait personne. Bref, ça arrive de pas faire attention, tranquille. Donc ça va, tranquille. Ouais. En vrai ? Ouais. Ah, on peut faire la photo ? Ouais, vas-y, vas-y. Pourquoi,
Tu me l'envoies, frérot? Vas-y. J'étais en train de les bénir, on dirait le pape. Je les remercie de ne pas avoir fait de dinguerie en fait. Genre en mode, ils ont fait attention, ils ont regardé, ils ont vu comme il y avait quelqu'un qui allait arriver. Hein. Ils ont reconnu la bécane. Eh, team GS ici. Eh, Marseille, c'est Starter Pack GS, Rebeu Bebar. Avec petit short, au calme. Ah, il y a un gendarme, il était avec nous. Et du coup, il reconnaît Cubens et il reconnaît Sushi. Et moi, du coup, je voulais passer en mode incognito et tout, tu vois. Et il fait quoi? Il me lâche un... Tounsi. Ah, ça m'a tué. Il m'a dit, ici, il y a de belles routes. Et effectivement, il y a de belles routes. Ah, j'ai le top ici.
Ah, c'est un tueur quand il m'a dit tout de suite, j'étais pas prêt. Les routes ici, elles sont vraiment pas mal. Franchement, je crois que je vais déménager. Ouais. Vas-y, bonne route. Ouais, je filme toujours. Mais si tu veux, je coupe. Ok, d'accord. Vas-y, t'inquiète. Vas-y, tchuss. Prochaine, vas-y. Tire. Ça, c'est un bateau de pierre. C'est quoi ça? Je fais super attention. J'ai vu partir à droite, c'était sûr que là elle allait venir à gauche. Là c'est le moment où les gens ils commencent à péter un câble avec les bouchons. Parce que là je pense que ça fait peut-être 40 minutes que les gens sont des bouchons. Dès qu'ils voient qu'un emplacement se libère, ils vont aller dessus en croyant que ça va aller plus vite. Quelle patate. T'as soif? Le but qu'il a failli se rabattre sur toi. Hein? Là, il n'y a pas de visibilité encore. Là, ça passe. Je connais pas les routes, hein. Je fais hyper attention. Je vais pas trop vite. Puis je suis en visière teintée. C'est ça que je mets des clafards. Mais en tout cas, je crois vraiment que je vais m'installer dessus. Moi qui fais de la bécane H24, c'est parfait. En fait, je mets de Waze pour voir un peu la gueule des virages. Vas-y, on y va. C'est-à-dire comme il a plus de batterie, il me fout ça. J'ai cru avoir déjà vu cet endroit en vidéo, je sais pas. Personne là-bas. Personne. Personne en face toujours. Pour poser le genou. Moi je suis là, je suis en mode jogging, basket, t-shirt et veste. Enfin, veste, gilet quoi. T'inquiète bébé, je fais du coco. En fait,
moi si j'habite dans le sud, je vais faire que ça en fait. Pour moi, bon, ça c'est le périph. Voilà. Ouais, on va faire comme en MotoGP. Qu'est-ce que ceci? Ouais, c'est incroyable. Voilà. On aurait dû se téléporter ici directement. Ah, moi aussi je suis en réserve, hein. 50 km. Peut-être 30, 40. Ça me fout le seum, gros. On parle avec des gens ici. Ils viennent tous nous parler. Yep. Bon. Bon, bonne journée. Ah, sinon, il va pas s'arrêter. Non. C'est beau. À Paris, on a pas ça, nous. Il faut que j'arrive, il vient vers moi. Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour mesdames, messieurs. Pourquoi je suis en survette? On va à la fameuse Espiglouillée ou je sais pas quoi là. Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est personne là, c'est quoi le délire? Je m'attendais à voir là les bécanes. Là, j'ai tellement vu cet endroit en vidéo. J'ai acheté encore, ok. Formateur de l'ESPI. C'est incroyable. Franchement, t'es régalé ou quoi? Ouais, mais je me fais surprendre, tu sais, comme je connais pas la route.
Ouais, normal. Un petit virage, épingle droite, t'étais surprendre un peu, j'ai vu. Ouais. Serré là, tu m'y attends même pas en fait. On se penche sur la gauche à 50 degrés. Mode survêt gang. Bah, tu vois là, je pensais que c'était un virage à gauche. C'est pour ça, faut vraiment jamais rouler comme un ouf, tu sais, dans une route que tu connais pas. Petit à petit, t'as rien à prouver. Thank you. Sauvageon. Et t'es bien la route là.